Salut tout le monde, bienvenue sur la Food Familia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui je suis avec Younes derrière la caméra. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui les gars, je suis en mode pyjama, en mode Fanta et tout. On vient de rentrer du magasin là, on a acheté des petits trucs que vous allez découvrir. Pour la saison. Pour la saison, je sais pas si on peut appeler ça la saison, pour dehors. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on va souvent jouer au City Stade, au Stade etc. Et on a acheté que des crampons pour la saison, tu vois, on n'a pas acheté de stabil ou d'autres choses comme ça. Donc du coup là on est parti investir un peu. On n'a pas acheté que ça aussi, on a acheté d'autres choses pour la chaîne YouTube principale Code Familia. Donc je pense que ça va être pas mal, on va vous présenter ça tout de suite. Donc il y aura une paire pour Younes et une paire pour moi. Et toi t'as pris la paire de Neymar, c'est ça? C'est le modèle d'avant mais c'est pas la même couleur en fait. Déjà avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Des gants de boxe, vous allez les voir. Si vous voulez savoir à quoi ça va nous servir, bah rendez-vous sur notre chaîne YouTube Code Familia. On va faire des combats frère. On va faire des combats, des défis, plein de trucs. Pas vite fait. Pas très cher les gants, 13 euros à peine. Elles vont même pas. Si elles y vont. Ouais, on va faire des combats, c'est pas mal, ça me va en plus. On vous donnerait vous sur Code Familia et peut-être FIFA 17 aussi, on fera des petits défis avec ça. Ça pourrait être pas mal, une grosse patate sur l'épaule, etc. Ça peut être pas mal. Donc maintenant, je vais vous montrer le plus intéressant pour vous, je pense. Voilà, donc déjà, on a la paire de chaussures de Younes. Je vais t'essayer de la présenter. Passe-moi la caméra. Parce que c'est quand même ta paire, c'est la moindre des choses. Je vais là-bas. Vas-y, va là-bas. C'est la moindre des choses, c'est celui qui a été l'acheter, donc je vais te laisser la présenter. Moi les gars, je l'ai pris par défaut parce qu'en fait au magasin il n'y avait plus rien. Et je la trouve assez pas mal, personne là, j'ai vu personne les avoir. Si, et c'est le petit Hichem, il l'a. C'est les Hyper Venom. Hichem au stade, il l'a. Cette couleur, personne les a, je pense. C'est les Hyper Venom, franchement, elles sont stylées. C'est de Neymar. Ouais, il y a marqué Neymar ici. Neymar. Ouais, c'est celle de Neymar, ouais. C'est hyper confortable, mec. Je voulais prendre une paire à 30€, tu sais, pour pas niquer trop d'argent pour rien, parce qu'en fait c'est juste pour jouer au foot. Mais j'ai vu que le plastique à 30€, c'est du bois ici. Tu vois, c'est ça le problème. C'est confortable. J'ai pris celle-là à 55€. Quelle taille? C'est du 46, moi, en football. Normalement, je fais du 45, mais au foot, il faut toujours prendre une taille au-dessus. C'est du 46, vous voyez, elle se plie très facilement. Et en bas, là, au niveau stable pour le City, c'est parfait. Mais sinon, moi, je trouve qu'elles sont assez sympas comme ça. Et je pense qu'elles sont très, très belles. Toi, t'en penses quoi, toi, personnellement? Moi, je les trouve. Je vais pas dire que je les trouve belles, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce style de basket-là, tu peux pas les mettre avec tout. Tu vois, c'est juste des baskets pour jouer au foot. Mais après, le principal, c'est que tu sois confortable dedans. Et puis moi, voilà. C'est pour ça que je les ai prises. Parce qu'en fait, ici, là. Regardez le plastique comment il est, je sais pas si vous voyez, c'est super doux, super confortable. Et puis voilà, donc moi j'ai pris ceux-là et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant je présente les chiennes. Moi j'ai présenté les miennes, moi il n'y a pas d'emballage général, je les ai pris à Decathlon. C'est tout simplement celle-là, je dis la vérité, hein. C'est pas ma taille, j'ai grave blend parce que c'est pas ma taille. J'ai pris celle-là moi, j'ai pris celle-là, c'est pas ma taille, c'est du 46, je fais du 45 de base, donc c'est une taille au-dessus. Mais pourquoi je les ai prises? Parce que quand je les ai essayées, j'ai pété un câble, il y a un de ces conforts, les gars. Elles sont grave belles en plus. Et le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y avait plus de taille nulle part. Les Adidas n'avaient plus de taille, les Nike n'avaient plus de taille, les je sais plus quoi, il n'y avait plus de taille. Il restait que ça en gros en 46, c'était la dernière paire 46. Donc du coup, je les ai pris. Et en gros. Essayez-les pour voir. En gros, c'est quand je les ai mis, tu vois, regarde. Genre quand je les mets. Tu vois, normalement, quand tu achètes des chaussures de base, quand tu les mets, tu vois, t'es pas à l'aise et tout. Il faut un temps pour que ton pied s'adapte à la chaussure et tout. Mais là. Tu vois, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Elles sont grave belles en plus. Ouais, je les trouve assez stylées en plus, elles sont pas mal, mais... Ça fait comme des Mercurial, mais en mieux. En gros, t'as un de ces conforts avec, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai pété un câble au niveau ça. Tu vas voir, il y a des clubs, tu peux voir le derrière, comment c'est derrière toi, les stabiles. C'est des boules. Ah ouais, comme moi, des boules. C'est pour jouer dans les City. Même les synthétiques, les trucs comme ça, je pense que ça peut passer. Ça peut passer au niveau des donc pour ceux qui veulent savoir au niveau des prix, c'est 50€ les gars, les deux baskets. Ah par contre, celle-là, c'est pas pareil. Celle de Yacine, 50€ et les miennes, 50€. Donc c'est cher un petit peu, mais pas très cher à la fois. Ouais, c'est on va dire... Parce que de base, les crampons, vraiment les vrais qui coûtent cher, c'est plus de 200€. Après, moi, j'espère les garder au moins un an, Inch'Allah. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, faut les garder le plus longtemps possible. Après, tu vas taper le ballon avec, tu vas pas un défilé de mode ou tu vas pas, je sais pas, tu vas pas faire d'autres choses avec, tu vois, c'est juste pour taper le ballon. En tout cas, elles sont super cool. Mettez dans les commentaires, vous avez acheté quoi vous pour la saison. Donc voilà, donc moi j'ai pris celle-là, ça va en fait, j'ai pensé trop grande, mais c'est pas un truc de fou comment elles sont un peu trop grandes. Donc dites-moi les gars, vous préférez lesquelles? Enfin, j'ai pas essayé les tiennes. Je vais essayer les tiennes, je vais voir s'il y a une différence entre les deux, et je vais vous dire ça. Parce que j'ai, à mon avis. Bah, je veux bien que dans les commentaires vous nous dites ce que vous avez acheté vous comme paire. Et envoyez-moi des screens de vos paires de chaussures sur Twitter, @codefamily avec 2 A. Et je retweeterai et je regarderai. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal toi aussi. T'as eu le confort de ouf. Ah ouais, franchement, les deux c'est un truc de fou. Essaye après, dès que tu pourras essayer celle-là, tu vas péter un câble. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, j'ai l'impression que les tiennes elles sont un peu plus grandes que les miennes. Ouais, mais moi j'ai des grands pieds. Au niveau de la largeur, etc., c'est. Ouais, donc voilà, donc dites-nous les gars. Vous préférez lesquelles entre les deux? Si c'est celle de droite ou celle de gauche? Ça c'est celle de Neymar et celle-là c'est celle de... Je sais pas celle de qui. Celle de personne. Dites-nous vous préférez lesquelles entre les deux.
Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Il y a des vidéos tous les mercredis, samedi, dimanche. Ouais. On est bientôt aux 100 000 abonnés, les gars. N'hésitez pas à faire tourner au maximum Foot Familia. Il y a des vidéos de football, des vidéos sur FIFA 17 bientôt et des vidéos comme ça sur le foot IRL où on fait des petits vlogs tranquilles. Donc on va vous laisser là. Nouvelle vidéo demain à partir de 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs, on est une super communauté. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les jours du lundi au dimanche. Et ne partez pas sans avoir mis un petit pouce bleu les gars, ça nous aiderait énormément YouTube. Plus t'as de pouces bleus, plus ils font monter ta vidéo. Et puis voilà, nous on va vous laisser là, il y a notre Facebook, notre Twitter, notre Facebook. Venez nous rejoindre, bye bye.